Bienvenue sur le live. Tiens, j'ai un perso à renommer encore. J'ai Pogoff. On est Légion, c'est clair. Ce truc de dingue. Rimworld, ça fonctionne trop bien. C'est vrai que... Je pensais pas... Bon, franchement, vendredi après-midi... Les échanges sur roleplay, c'est littéralement... C'est pas... Ouais, littéralement obligatoire. Pas mal d'échanges, ouais. D'accord, ok. J'ai un perso à renommer, Lithium. Est-ce que tu es d'accord pour incarner Pogoff? Pour Pogoff Moyo. Un homme cochon, c'est pas forcément super. Sais pas si. On le vit comme on veut. Très bonne stat en sociabilité, intellectuel, animaux. Let's go. Allez. Je sais pas, bah on va essayer que non. Alors les ours, non, j'en ai pas trop croisé. Comment? Les buffalos, c'est. Ça craint plus potentiellement. Lithium. Hop. Tac. Ouais, tout de suite. Est-ce qu'il y a un seul de mes persos qui est mort? Hein? Hein? Eh bah tiens, Lithium a besoin de soins d'urgence. Qu'est-ce qu'il a déjà, Lithium? Ah oui, parasite musculaire. Non, déconne. 3 sur 5, énorme. Un écureuil enragé qui a rasé ta base, tout seul. Toute façon, je joue pas Elfe Noir à 4, donc ça risque pas. Hein. Oh putain, un écureuil qui... Ils sont bien, pas bien costauds, t'es... Des gens. Boum. Alors ici, moi j'avais envie d'étendre un peu mon frigo. Essayer de recloisonner, faire un vrai hosto parce que celui-là il est quand même vraiment tout moisi. Un écureuil cybernétique. Putain, c'est dans un. Jugulaire. C'était un mode pour avoir un. Ah non, c'est sûrement un écureuil, d'accord. Ou sinon, t'as un peu trop regardé Monty Python, Sacré Graal. C'est une autre possibilité. C'est clair, faut pas qu'il s'attaque à tes noisettes. Bon, avec toute cette bouffe. J'ai combien? 2, 4, 6, 8, plus 1, 9 colons. Une écureuil normale, il a juste pété un plomb à côté de ma base. Et puis... Oui, je sais, c'est un lapin. Merci, Akat, je connais un tout petit peu mes classiques. T'es pas obligé de me prendre pour un neuneu. Non, mais sérieux, quoi. Écureuil, t'as raison. Passer à l'adversité, faut prendre le taureau par les cornes, si on peut dire. Allez, bien, alors ici ça pousse. Je vais peut-être commencer à enfin pouvoir avoir un vrai cheptel. Donc je voulais essayer de réorganiser tout ça. Alors là où je suis un peu con, c'est que j'ai fait ça et que ça c'est du dur. Alors ceci et ça, je peux pas le déplacer. Si, ça je peux le déplacer. Tout ça, je peux le déplacer. Ok. Donc je pourrais peut-être envisager un de ces quatre quand même de déplacer mon petit couple là, même si je risque de manquer de place. Il leur faudrait une grande chambre à eux. Histoire de pouvoir réinvestir un peu tout ça autrement. Ouais, alors c'est bien de faire plein de bidoches, mais on va peut-être penser à réorganiser. Risque de démence majeure. Rossignol. T'es toujours pas content? Oui, parce que t'as vu plein de cadavres putréfiés. Forcément, bah oui, tu m'as tout déplacé. C'est pas la joie. Noctobule en plein jour. Bon allez, travaille pas trop à 4, hein. C'est dangereux pour la santé, il paraît.
Merci, des bisous. Alors, je vais pas avoir de putain. Cette quantité de bouffe que j'ai. La bouffe, c'est vraiment des fois, tu galères comme un fou et des fois, t'as plus que tout ce qu'il faut, quoi. Je vais faire des croquettes un peu peut-être. Non, là il est en train de faire des croquettes. Le gros truc gris dans la base. Ça là, c'est le distributeur de pâte nutritive. La sueur d'agent de sécurité, ça coûte cher. Ouais, c'est le distributeur de pâte nutritive. C'est ce qui a sauvé mon cheptel qui a déjà bien du mal. Parce que quand même. Non, en fait, le truc, c'est que je suis sur une zone forêt boréale, je crois. Ah ouais, c'est clair. Là, je suis quoi? Ouais, c'est ça, forêt boréale. Et en forêt boréale, bah quand même, t'as des hivers qui sont un peu costauds. Et du coup, bah, tiens, je vais lui faire des plats, t'as raison, je pourrais lui faire faire. Plats raffinés carnivores déjà, jusqu'à en avoir 10. Ça, je pourrais en avoir 10 aussi. Non, 8. Ouais, les hivers, là, je sors, enfin, je suis en été, mais l'hiver a quand même été assez rude. Et du coup, j'ai eu besoin d'un peu de. Enfin, j'ai un peu galéré sur la bouffe. J'avais pas mal d'animaux qui sont. Que j'ai eu du mal à nourrir, en fait. Et du coup, j'ai construit ça pour. Bah, pour m'assurer que j'arrivais à les faire bouffer, quoi. Tiens, tu vas me sélectionner. Non, je voudrais sélectionner. Réservoir. Du coup, je vais éviter de lui mettre des végétaux parce que les végétaux, j'en ai besoin pour faire mes croquettes. Et quand même, j'ai moins de végétaux pour l'instant, en tout cas, que de bidoche. Voilà. Donc, je me disais de faire. Peut-être déjà pousser un peu la vitesse quand même. Me faire une vraie chambre pour mon couple fondateur, Canton-Catox. Et puis, alors, où est-ce que je pourrais les installer? Ça déjà, ce serait plus malin si c'était genre plutôt par là. Hop. Non, bah tu pouvais le laisser ça, Canton. T'embête pas, puisque ça, je vais le virer. Copier, coller. Hop. Comme ça, à la limite, je vais faire l'extension ici avec pour faire la chambre de mon petit couple. Le frigo, je vais l'agrandir un peu. Tac. Ça va m'obliger à réduire mon champ, mais bah, tant pis, on fera avec. Et me faire plutôt un atelier. C'est vrai qu'en fait, je me suis choisi un coin qui est quand même sacrément enclavé. C'est pas absolument idéal. Ça a des avantages, mais c'est vrai que je manque un tout petit peu de place. Ce qui est assez rare. Toujours l'impression qu'à RimWorld, tu as tout ce que tu veux comme place. Attends, comment est-ce que je pourrais m'organiser? Parce que sinon, je pourrais creuser un peu dans la roche, là. Pour me faire. Qu'est-ce que je pourrais faire?
Ouais, garder tout ce qui est salle à manger ici, à la limite creuser dans la roche et faire plutôt le côté atelier. Ça pourrait être une idée aussi. Allez, on va faire ça. On va aller creuser. Alors là, j'ai de toute façon plein de métal. Je sais pas jusqu'où. Mais là aussi. Donc on va hop. Ouais, je peux planifier. Moi j'utilise finalement assez peu l'outil de planification. C'est marrant. Enfin, je sais pas pourquoi. Tac. Je sais pas jusqu'où il faudra que j'aille. Peut-être je ferai peut-être un peu plus de murs en dur. Là, ça me fait quoi? Ça me fait. Si je fais ça là, ça me fait quoi? 72? C'est pas immense. Ah, des plantes différentes couleurs carrément. Pas mal. Mais c'est. Non, c'est vrai que je sais pas pourquoi. Moi, je. C'est pas un truc que j'utilise tant que ça. Bon, je vais. On va déjà commencer comme ça. Voilà, première pâte nutritive, enfin premiers aliments raffinés. J'ai suffisamment de bouffe pour le faire. J'ai de la bouffe pour bébé, donc j'ai pas grand-chose à foutre en fait. Ouais, y a. L'avantage de la forêt boréale, c'est que c'est vrai que t'as tellement de. Comment? Tellement de d'animaux en général que. Si, si, je vais faire des murs avec, mais j'aime bien. Moi j'aime bien les trucs carrés en fait. J'ai un petit côté, je sais pas, un peu psychorigide, je pense. Là, bloc d'ardoise, tu vois, je vais me faire. Tac. Si, si, je vais bien entendu, mais hop. J'aime bien les carrés. Donc là, je vais faire. Oui, c'est plus efficace carré. Si, si, je vais utiliser. Là, ça va me faire une pièce. Ceci dit, j'ai vu des vidéos qui sont bluffantes. Hein. Franchement, des mecs qui se font des bases en rond, enfin, des trucs, franchement, gros respect. Et ça a vraiment une bonne gueule. Hein. Je trouve. Peut-être agrandir un tout petit peu ça, des fois que ça leur fasse un tout petit peu plus de bouffe. Hop. J'ai plus de bois. Oh, fait chier. Tout le temps galère de bois quoi. Hop. Pourtant, c'est pas ce qui manque le bois. Ouais, il y a des. Franchement, t'as des gars qui. Pff. C'est des gens qui n'ont pas de boulot à côté. Je sais pas comment ils font, pas de boulot, pas de famille. Moi, je sais pas faire. Franchement, je sais pas faire. Pourquoi tu me les bouges, toi? Ah merde! Forcément. Bah putain, quoi? Non! Là, c'est ça. Ton enclos. Hop, allez. Laisse-le là. Laisse-les là. Tac. Va plutôt me construire ça en urgence. Voilà. Histoire qu'il se barre pas. Construis-moi ça, je t'ai dit. Non. Tu fais pas de con. Ah merde, t'as pas fait ta construction. Qui construit? Qui construit? Bon, il y a Canton forcément, mais là Canton il est occupé à couper.
Tom, transporte. Voilà. Non, fais-moi d'abord ça. Ouais, non, mais même ce petit optimiser la construction, c'est clair, mais en même temps, c'est juste le jeu est quand même vraiment long, quoi. T'as plein de choses à faire. Et ouais, gros respect. Mais bon, c'est vrai que ouais, un type personnel, entre la famille et le boulot, bah, c'est vrai que c'est un peu chouchou, quoi. Hop. Tu vas me démolir ça. Bon, allez, on passe en x3. Ouais, c'est hyper addictif. Ouais, c'est vraiment un chouette jeu. Un groupe passe dans les environs. Bien, allez, on me pète tout ça. Je pourrais aussi agrandir un peu par là-haut. Tac. C'est pas grand-chose, mais. Bah, est-ce que c'est pas déjà ce que tu fais, y passer des heures? Est-ce que c'est pas déjà un peu tous ce qu'on y fait? Une vague de chaleur. Oh, bon, il va falloir plus. Deux ventilos. Un, deux. Bah moi, les week-ends, ils sont monopolisés par la famille, par... Ah non! Très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Tac. Avec les mêmes paramètres. Eh bien, pendant la vague de chaleur, elle est virée le... Tu les catox, mais... Tu vas pas me laisser ça en plein milieu, quoi. Ah, j'aime les gens qui ont des choses à échanger. Lithium. Bah écoute, quand tu auras fini de dormir, Lithium, hein, tu iras commercer. Hop. Ouais. Alors là, tu vas me faire une porte tout de suite. Structure. Alors. Masque, pistolet automatique normal. Bon, composant de toute façon. Médicaments de toute façon. Et puis bah, je vais te refiler toutes mes petites merdes. Tac. Fusil à pompe automatique. Bon, ça je garde, bien entendu. Alors, tout ce qui est horrible. Est-ce que j'ai des choses horribles? Non. Est-ce que j'ai des choses médiocres? Oui. Tac. Est-ce que j'ai des choses normales? Oui. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai des choses en tissu? Oui, des trucs d'enfant que je dois garder. Est-ce que j'ai pas fait de conneries? Non, c'est bon. Sauf que là, bah écoute, je vais prendre ton gun. Je peux pas dire que j'en ai vraiment besoin, mais. Qu'est-ce que je prends? Des rations de survie des fois que.
119, 122. Allez, accepté. Tac, tac, tac. Allez, fais-moi une petite porte en ardoise là, s'il te plaît. Éruption solaire. Ouh. Ah, très bien, l'éruption solaire pendant la vague de chaleur, j'adore. Oh putain de merde. Il est sérieux, quoi. Comment je le déteste. Bah ouais, tu m'étonnes, coup de chaleur. Nous avons traversé le métal compacté. Putain, il y a une quantité de métal là-dedans. Vache, si c'est la même veine qu'ici. Alors, fais-moi l'op énergie. Câble électrique. Ah bah c'est malin ça. Putain, mais quel abruti, c'est pas possible. Mais quel abruti. Le mec qui construit les... Hop, non. Tac. Hop. Hop. Ouais, là, c'est du métal, j'en ai la bonne dose, hein, c'est clair. Mobilier, fais-moi, pour l'instant, un lampadaire. L'éruption solaire touche à sa fin. Ça tombe bien, ça éviterait que toute ma bouffe pourrisse. Intérieur, j'aime bien les frigos dans lesquels il fait 15 degrés. Quand on a besoin de soins, lithium. Bon. Allez, on refroidit. C'est quoi aussi? C'est parasite, ouais. Allez, Damned qui est au frigo. Allez! Pourquoi est-ce qu'ils arrivent tellement pas à réchauffer? Putain, il fait 44. Ah bah, ça, la maison s'excuse, hein. Damned au frigo, encore une fois, quoi. Eh bah, amuse-toi bien, Lithium. 30 degrés ici. Salut Katox, bienvenue sur le live. Oh putain, le boulet, j'ai encore oublié d'enregistrer sur pour YouTube. Je la fais à chaque fois. Oh. Salut YouTube, je t'ai encore oublié. Ça fait 20 minutes que je suis en live. T'arrives à point, bah et c'est ça. Je pense que t'arrives et je me dis hop. Là là, quel boulet. Quel streamer noob. Ah, du Jade aussi là-dedans. Formidable. J'arrive et Damned est au frigo. Bah ouais. Bon. Allez, on est revenu sur une... Un timing normal. Bon, du coup, j'avais dit... Bon, j'ai déjà agrandi mon frigo, ce qui est une bonne chose. J'ai un peu agrandi. Mais plus, ce serait mieux. Je pourrais faire... Tac, tac, et tac, en plus. J'avais dit de déplacer la chambre des amoureux. Hein, Katox? Tombe à point nommé, c'est clair. Je vais avoir besoin de murs en ardoise maintenant. D'agrandir un peu par là. Oh, une chambre un peu digne de ce nom. Ah, sauf qu'attends, si je fais ça, je bloque le passage. Donc, il faut pas non plus que je la fasse trop grande. Par contre, je pourrais étendre. Je veux mon Royal Bed. Bah ouais, bah tu l'auras un jour.
Un jour, un beau jour ou peut-être une nuit, comme le chantait Barbara. Je pourrais l'étendre par là à la chambre. Hop, on va faire ça. Tac. J'aime bien laisser des couloirs de deux. Ça fera une chambre en long. Pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique. C'est un peu naze. Non, ça, il faut que je le bouge. Je l'ai vraiment placé n'importe comment. Je peux le détruire. Laminer ça. Ton Royal Bed, ouais, tu l'auras un beau jour. Ça... Ah si, ça se réinstalle ça. Ah merde, je croyais que ça le faisait pas. Bon écoute, si tu te réinstalles, tu vas te réinstaller là. Hop. Et ça, par contre, ça ne se réinstalle pas et c'est un peu con. Oh, le signe aussi. Coucou. Bienvenue sur le live. J'ai fait mon boulet, le signe. J'ai encore oublié de lancer l'enregistrement pour YouTube. Donc là, il s'est passé 20 bonnes minutes. Tu m'aimes, hein? Dis que tu m'aimes. Dis que tu m'aimes et que tu n'es pas du tout en train de m'insulter derrière ton écran. Et que tu adores récupérer les enregistrements directement sur Twitch. Hein, dis que tu m'aimes. Ouais, il est trop fort le signe noir, il fait donc, tout ça nous dit pas ce qu'on fait. Donc ça, je vais avoir besoin de me mettre un autre quel bordel. Truc où t'as l'impression d'avoir de la place et en fait t'en as pas vraiment. Je vais te mettre là. Ah oui, d'accord. Voilà, ça c'est la vie du cygne. C'est la vie du cygne avec ses boulets de gladiateur. Qui doit faire avec ces mecs qui oublient tout, qui... Voilà. Vive nous. Ouais, j'ai plein de monde. J'ai Lithium, je sais pas s'il est encore dans le coin, peut-être qu'il nous écoute de loin. Qui est passé, qui est sur le serveur de Sir Madness. J'ai même eu Akatsuki qui est venu me voir. Ah, t'écoutes en fond. Akatsuki qui est passé quoi, c'est dire. Ouais, je suis vilain. C'est pratique ces hommes cochons quand même qui bouffent tout et n'importe quoi. Franchement. Donc. Tac. Et tac. Ensuite. Attends, je vais attendre d'être sûr. De toute façon, là, je vais peut-être faire une porte par ici. Hop. Mais surtout, il va me falloir davantage de. Il faudrait quelqu'un qui fasse vraiment de l'artisanat en fait. Mais Éternel, il peut pas tout faire. Tac. Katox. Katox, ma petite. Ma petite Katox. Tu fais surtout de la cuisine, c'est bien. Et en même temps, t'es la seule à vraiment pouvoir faire de la cuisine. Mais le problème, c'est que quand tu fais plus de cuisine, qu'est-ce que tu fais? Alors, lithium, pourquoi je t'ai pas mis? Parce que t'as des stats peut-être. Ah oui, t'as deux en artisanat.
Ah ouais, c'est un peu le drame, d'accord. T'es sorti de Catox éternel, c'est le drame. Bon. Bah. Alors, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas te mettre en couturier, en forgeron de Catox. Par contre, je vais te mettre en artisan, histoire que tu artisanes. Quand t'as fini de faire la bouffe. Tu connais comme ça un gars comme ça, Katox? Je vois pas du tout de qui tu parles. De toute façon, c'est quoi Song of Six? Je connais pas moi. Pourquoi tu me fais. Oh mais putain, mais quel zouave! Oh, quel con! Les plats raffinés, ça se fait par quatre. Bande de couillons. Ouais, finis ton truc là. Ouais, ce serait sympa, c'est pas faux. Comme disait. comme disait notre ami Perceval, c'est pas faux. Alors, là-dedans, copier les paramètres, coller. C'est un vieux running gag hein, pour les viewers qui comprennent pas. Ketox nous expliquera un jour. T'as pas accès au chat. Comment ça? Ah, t'as pas. Ok. Non, bon. J'ai compris. Ketox, tu pionces. Bon. Tu travailles. Ils disent tous ça. Tiens, je pourrais peut-être mettre une ou deux lumières dans mon frigo. Ça se fait, il paraît. Lithium insulte tout le monde. Parce que Lithium souffre. Bah bravo Lithium. Je ne te félicite pas. C'est quand même pas bien du tout, Lithium. Allez, les bases de la microélectronique, c'est ça qui est bon. Alors, j'avais commencé, je me suis fait des psychodies, les psychodies, il fallait que je les transforme. Pour les transformer, j'aurais peut-être besoin au moins. Alors, attends, si je me souviens bien, messieurs les experts, hein, si je fais juste production de drogue, je pourrais pas utiliser mes psychoïdes. Il faut ensuite que je fasse raffinage du psychite. Hein. En fait, je demande ça, mais en fait, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui est le plus urgent? C'est clairement pas le plus urgent, mais l'urgence est-elle quelque chose d'important? Allez. Faisons de la bière. Non, pas. Ah non, ah oui, attends, j'ai du houblon aussi que je peux récupérer. Ah bah non, attends, je vais faire de la binouze d'abord. Hop, en plus il me semble c'est plus court, voilà, ça fait 400 alors qu'il me faudrait 900 pour. Parce que mon houblon là, il va pourrir. Qu'est-ce que Éternel est inactif. Ah oui. Pourquoi est-ce que le houblon tu me stockes pas ici? Est-ce que je pourrais le savoir? Est-ce que je ne t'ai pas dit de le stocker ici? C'est sans doute une excellente raison. Hop, ça éviterait qu'il pourrisse quand même. Tac, copier, tac, coller. C'est quoi, c'est toujours ta pareille. Oh putain la vache. Ouais, t'es. Mal en point, lithium.
avec ta paralysie, parasite, ton parasite musculaire là. Ça y est. Bon, alors, ça, tu m'as fait mon mur, c'est très bien, je t'en félicite. Et tu m'as déconstruit tout ça, c'est formidable. Mais du coup, t'as plus du tout. Kétox, j'ai besoin de cailloux. C'est urgent. Ah ben, peut-être que si je mettais une tâche pour faire des cailloux, tu ferais des cailloux. Oh my god! Putain, le mec, il a jamais joué à. Oh, bordel! Bordel de main. Fais-moi 400 blocs d'ardoise et ensuite ad vitam le reste. Mais quel con, sérieux. Oh là 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 là. C'est marrant qu'ils considèrent ça comme de l'intérieur alors que c'est ouvert. Ouais, c'est juste que c'est couvert. Non, t'as du jade, bah oui, je sais. Et ben voilà. Ah oui, sauf que du coup, Éternel, il va me faire des blocs en. Oh, merde. Non, bah éternel, tu passes en prio 1 sur le sur la recherche, hein, Coco. Ah, fèche. Non, je vais passer en prio 3 sur l'artisanat. Bien. Hop. Ça, tu peux me le virer s'il te plaît. Ça aussi. Alors, voilà la future chambre des futurs époux. Donc, comment est-ce que je vais m'organiser? Je vais déjà compléter le mur ici. Vous allez avoir une Big Mouse chambre. Katox et Canton. Ça va être magnifique. Allez, tu vas même compléter ça là. Tac, et puis tu vas mettre une porte ici. Voilà. Ici, je vais faire mon hôpital, je pense, que je vais agrandir jusque-là. Et si je mettais un peu de lumière? Lumière avec ce qui pique le cambrou. Hop. Un peu de lumière. Ça fait toujours du bien. De la lumière. Hop. 1, 2, 3. Non, le milieu est là plutôt. Tac. Hop. Et. Quand on finit de construire ça, hop, de la lumière là. Voilà, très bien. Ok. Voilà, une petite lumière là. Un colon a besoin de soins, et toujours les problèmes de. Donc. Tac. Ça, tu peux me l'enlever. Alors. J'ai quand même ce magnifique lit en double. Alors, Ketox, t'auras pas un. Tout de suite un lit royal, mais tu vas quand même avoir un lit double en métal qui est un chef-d'œuvre. J'espère que tu seras quand même pas trop mécontent. Essaiera de faire des plus d'efforts plus tard, mais là, dans l'immédiat. Et elles sont très mal placées, mes lumières, c'est complètement con.
Parce qu'en fait, je m'étais dit que j'allais faire un couloir là. Débile. Ça passe. Bah écoute, faudra faire avec. Hein. De toute façon, c'est un. Hop. Le berceau de bébé Damned. On pourrait peut-être faire un truc un peu plus classe que. J'ai du marbre. Allez, un petit. Non, berceau en marbre, non, peut-être pas. On va pas abuser quand même. De toute façon, Damned, il va bientôt. Il a quel âge là? 2 ans et 56 jours. Quand est-ce qu'il termine d'être un bébé? Où est-ce que enfance nouveau-né. Comment est-ce qu'on sait? Oh. Âge biologique. Bah oui, j'étais en formation. Bah bravo. Bah ouais, désolé. Comme disent certains, on n'est pas tous profs. Y en a qui ont effectivement le privilège de pouvoir. Merci, Canton. Et je suis en train de te faire une belle chambre. Et on va même faire une. On va faire péter. Moi, l'avantage, c'est que c'est des grands et les grands, ils sont pas là. Mais bon, les grands, ils sont à l'école. Donc, Ketox, Canton, hop, allez, allez dormir ici. Et en même temps, vous allez déplacer bébé Damned. On va réinstaller ça. Hop, ici. Tac. Tac. Vague de chaleur terminée. Formidable. Tout est bien qui finit bien. Hop, tac. Et tac. Ennui. Je manque peut-être un peu de. C'est vrai que loisir, j'ai pas fait grand-chose. Je pourrais peut-être au moins vous faire une table d'échecs. C'est combien la table d'échecs? C'est 70. Je pourrais la faire en quoi? J'ai pas assez de marbre. En grès. Allez. On va faire une table de. Hop. Tac. Alors avec des vraies chaises aussi. Mobilier. Hop. Brassage de la bière, ben voilà. Hop. Alors, faisons de la binouge. Production. J'ai. Oui, si c'est bien. Baril de fermentation. Ah oui, je peux me faire des postes de high-tech de recherche. Ben, je pourrais les faire là. Temporairement, je vais le faire là. Mon poste. Pourquoi je peux pas le faire ici? Bloqué par un gravat en ardoise. Oui. Ah oui, d'accord. Hop. Ok. Donc, on avait dit ça, ce sera quand même mieux.
dans un premier temps en tout cas. Et alors, pour faire de la binouze, j'ai besoin d'un établi de brassage. Où est-ce que je mets mes choses? Ça, je pourrais te foutre ailleurs. Allez, tac. Franchement, j'ai pas vraiment besoin d'avoir à côté de d'étagères en bois, je trouve ça parfaitement légitime. Hop, voilà. Donc on va installer l'établi de brassage ici. Et quelques barils. Hop, 1, 2, 3, paf. Bisous, Lycia, merci d'être passé. Oh, Damned est devenu un enfant. C'est pas le moment de partir, Lycia. Allez, bon après-midi à toi. Merci d'être passé et à bientôt. Damned avec un magnifique chapeau. Waouh. Gros respect. Et une barboteuse. Ah, Damned. Alors là, je dois bien avouer que je pense que je suis tombé amoureux. Hop, voilà, on admire. Ah, il enlève sa barboteuse tout de suite. Oh, il veut se la péter avec une parka. Allez, Damned. Ça grandit tellement vite, ouais, c'est clair. Tiens, Spiky. T'avais rien de particulier, toi? Pourquoi est-ce que... Oh là 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 là, mais quelle bande de poulets. T'es pas... Non, très bien. Mais tellement catox. T'es sûr... attends, je vais appeler les services sociaux, je pense, parce que là, quand je te dis oh, je suis prof, mais je garde ma petite, et juste après que je te dis écrire ça, je me dis non, je suis pas d'accord. Alors, sur l'apprentissage, un besoin. Que lorsque l'emploi du temps est défini sur récréation ou autre. Ok, donc je vais le mettre. En Belgique, vous êtes aussi mieux payé que nous. Pour votre temps de travail. T'es bien belge, hein, Katox, hein? Je crois pas me planter en disant ça. Ouais. Tu peux me... Dans le... Dans Grashnor. Il faudrait que tu me fasses du mou en boucle. Hop. Le Nord. Hop. Bon, et puis comme maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir. Hop. Tac. Dégager ça. Vous, je le réinstaller des fois qu'il y en ait qui s'ennuient et qui veuillent également participer aux efforts de recherche. Bon, là, j'ai quand même des trucs à miner en plus. En acier, je dois avoir la blinde là. 1385, ça va. Tac. Tac, tac. Ah, alors là. Bon, je vais quand même faire un creux ici. Attends, on va d'abord me creuser ça. Eh bien, comment ça? Pourquoi est-ce que...
Ah oui, parce que ça bouffe un tout petit peu de courant et il n'y a pas de vent. Donc du coup, forcément, bah, c'est le drame. C'est le drame. Toi, tu devrais être là et toi, tu devrais être là. Tac. Et toi, tu devrais être... Bon, on va peut-être faire une clean ici. Ou peut-être pas tout de suite. Tu me diras, j'ai de l'acier. Voilà ici. Temperature. Hop. Voilà. Comme ça, Katox sera au moins déjà. Ça. Arrête. Et j'ai toujours pas de défense. Ouh. Alors, ils sont grands comment? Ah, ils commencent à être un peu costauds quand même. Hein. Bon, ça va qu'ils sont encore de l'équipement de merde, mais ça devrait le faire quand même. C'est quoi? C'est des humains? C'est des... Non, c'est des quoi? Des Néandertaliens. Trapu et puissant, mal bâti. D'accord, très résistant aux blessures. Tolérance au froid, à la chaleur. Par contre, ils sont lents. Agressif, combattant aguerri, hein, robuste, hein, douleur réduite, ça va peut-être être moins simple. Bon. Comment est-ce que je pourrais faire de façon intelligente pour avoir des défenses rapides à mettre en place? J'ai pas encore de coton. J'ai quand même pas mal de cuir. J'ai du cuir. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce cuir? Si Akatsuki était là, je suis sûr qu'il saurait répondre à cette question. Ah ouais, d'accord. Bon, merci pour le conseil. Bon, ceci dit, Canton, il va quand même aller prendre au corps à corps. Parce que il est quand même. Sans être une bête, il est quand même net, il est quand même vraiment super efficace au cac. Est-ce que. Alors, Damnette, tu pourrais peut-être avoir une arme. Déjà, j'aimerais bien que tu te balades, cours dans la nature. Alors, c'est cool, Damnette, mais pour courir dans la nature, on évite de le faire à côté des méchants qui veulent te casser la gueule. Ça fait partie des principes de base. Là, tu vas aller m'équiper d'une carabine de survie, Damnette. Katox ne se bat pas. Hop là, j'ai toujours mes armes. Tiens, toi. Ah oui, t'es aussi une quiche en tir. Tom, t'es pas trop mauvais, mais. Alors, Spikey, du coup, je t'ai mis un fusil d'assaut. Shader, oui, c'est mon Shader. Bon. Sinon, je mets un Shader à. Le fusil d'assaut lithium et Spikey va aller m'équiper le fusil à pompe. Hop. On va faire ça. Hop. Ensuite, sécurité. Alors, est-ce que j'ai le temps de faire des pièges? Peut-être le temps de faire un ou deux pièges. Tac. Oui, tu m'auras prévenu. Bah, tu m'auras prévenu. D'accord. Mais bon. De toute façon, logiquement, ils vont venir plutôt par là. Tempête d'éclair. Salut aussi. Toujours pas mort. Bah non. Qu'est-ce que tu crois? Éclipse, tempête d'éclairs et raid. T'arrives au bon moment aussi. Il va falloir que ta masse soit efficace, mais je crains qu'elle ne le soit pas. Parce qu'il paraît qu'ils sont costauds les gens. Hop. L'orage est terminé. Bien. Quand il y a de l'orage, il n'y a pas de vent. Non mais n'importe quoi. Il se foutit de ma gueule. Allez, c'est parti. Un petit assaut. Hop, on mobilise tout le monde sauf
Tac, sauf même Damned, mais pas Katox. Tac. Allez, on arrête de pioncer. Et on se regroupe. Ouais, bon, ils sont. Ils sont un peu nombreux, ouais, ils sont 6. Normalement, on va dire que ça passe, même sur un malentendu. Par contre, on va y aller peut-être du mollo. On va essayer de placer les gens de façon intelligente. Hop. Tac, tac. Bim. Hop. Bon. T'es où, Damned, là? Tu fous quoi? Tu fous quoi, Damned? Bordel de merde. Éternel, c'est bon. Bah, si en plus je rate tous mes tirs. Alors, Spike, tu recules, s'il te plaît. Parce que, quand même, tu seras plus utile. Bah, tu vois, franchement. Easy mode, hein. Bim. Ouais, Damned vient de passer, vient de devenir un enfant. Il va encore enfin servir à quelque chose. Alors, à quoi tu sers, toi? Psychopathe, j'adore les psychopathes. Toi, tu vas servir de banque à organes. En essayant de pas de nouveau faire en sorte que Katox y passe. Même pas un dégât. Eh ouais. Qu'est-ce que tu veux? Allez. Capturer. Tac. Gorille, est-ce que j'essaie de l'attraper? Bon, écoute. Il faut que ça fasse une autre banque à organes. Vous pouvez. Tac. Puisqu'a priori, ils vont pas vite. Damned. T'es un peu lent, hein. Tac. Allez, tire ton premier coup. Raté. Va être facile. Tac. Le talent, ça s'improvise pas, Katox, hein. C'est comme ça, c'est. T'embête pas trop à le soigner, va. Très bientôt. Récolter. Oh putain, c'est vrai que j'ai toujours pas de. Je vais bientôt avoir. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. J'ai fait une petite boulette. Franchement, presque rien, quoi. Enfin, je veux dire. Eh, mine de rien, sur mes 5 pièges, il y en a. Sur mes 6 pièges, il y en a 5 qui ont fonctionné. Ah, fait chier, putain. Bon, je vais pas arriver à le choper, tant pis pour lui. On va pas faire trop s'emmerder à faire de la course. Après un gogol. Est-ce que je. À quel point c'est le drame 85? Propreté de la salle, bah ouais. Ça serait bien si tout ça a été un peu nettoyé. Hop, non. Oh putain. Là, j'ai que des corps, j'ai que des organes. Qu'est-ce que vous m'emmerdez à vouloir nettoyer tout ça? Je n'ai pas d'organes. Vraiment que de la merde. Hop, l'incendie. Ah, le pont brûle. C'est con. Est-ce que je vais. Oh putain, en plus il se fait défoncer quoi. Le mec, il a eu. Il a perdu son nez, un œil, une oreille, un rein et une jambe.
Ah ouais, lui, je vais pas le recruter, quoi. Ça, c'est sûr. Bien. La vie doit pas être facile pour lui, quand même. Allez, on avance. Bon, c'est toujours un peu le drame là sur l'électricité. Du coup, oui, si je... Ah ben oui, mais c'est pareil. Putain, moi je me fais un. Mais c'est pas possible. Quel con. Ouais. J'ai eu un mob que je gardais en banque de sang, aveugle, plus de bras, plus de Et en plus, en toute logique. S'il a autant d'organes qui sont plus là, bah, il doit être plus efficace, je sais pas, non. Est-ce qu'il est plus efficace à créer, le sang doit être plus concentré, je sais pas. Est-ce que quelqu'un à qui il manque des membres, est-ce qu'il a moins de sang ou plus de sang? Enfin, plus, il doit avoir plus de sang par mètre cube, en gros. Je sais pas. On se pose vraiment des questions intéressantes parfois. Dans ce jeu. Putain, mais tu m'emmerdes, je veux du bois, mais c'est pas possible que mon bois, je l'utilise aussi vite. J'utilise à quoi? C'est ouf. Faudrait demander à nos collègues, je pense, Nico, à mon avis. Je suis sûr qu'il y en a qui pourraient nous répondre. Alors, t'es plus incapable de marcher, mais bientôt tu vas être incapable de vivre. Je te le dis tout de suite. Dès que j'aurai récolté des racines de vie, ce qui ne saurait tarder. Attends. Ah, j'ai bien fait de garder mon poste de recherche. Est-ce que tu pourrais pas. Tu feras jamais nettoyage, toi. T'es un peu casse-couille. Des objets à échanger. J'aime les gens qui ont des objets à échanger. Hop. La simple à pourri. Ah merde. Bah et du coup. Nourrice. Ah, c'est ça. Ah non, non, j'ai pas besoin de. Tiens, ça sert nommé nourrice. C'est marrant. Ou le métier de nourrice. Voilà. Tac, manutention. Allez. Ils sont là. Hop, lithium. La commercer. Alors, ouais, plus 24% quand même, c'est pas mal les. Couteau en métal. Ah, pour te le renforcer, je vais prendre. Herbe médicinale, ben voilà. Pemmican, on va prendre. Et puis, on va revendre. Tout ce qui sert à un masse en bois excellente. Putain, ça rapporte que 17, c'est vraiment de la merde. Hop, normal. Toc, toc, toc. Hop, médiocre. C'est bon. Horrible, j'ai rien. En tissu. Pantalon d'enfant. Je vais te le garder. Ah, j'ai vraiment du tissu maintenant. Et ben, ok. Ça fait quoi? Je te donne des sous. Ah oui, parce que le pantalon renforcé, forcément, ça coûte un peu cher. Alors, qu'est-ce que je vais te revendre? Tout ce qui est un truc à 35%, je vais pas le garder. Chapeau de cow-boy. Putain, ça c'est chiant. Que tu puisses pas voir la qualité quand c'est.
Eh ben, je vais te donner des sous, écoute. Ouais, ou je vais pas te prendre ton pemmican aussi. C'est pas la peine de. Hop. Allez. Qui est-ce qui est Damned? Vous voyez. Hop, voilà, allez, c'est parti, Lithium, avec ses magnifiques 5,36. Bah oui, t'as raison, c'est bien toi qui vas faire de couillon. Canton. Si tu veux qu'il survive et que si tu veux lui récolter des organes, peut-être. Ne peut pas récolter. Mais du coup, t'as bouffé tous les. Oh, fais chier. Attends, du coup, tu vas m'en faire que 4. Des plats simples. Histoire que. Catox, toi en médecine, t'es un peu mieux. Ok, allez. Bim. Oh là là! Les tabus, ils sont pas contents. Mais c'est pas grave, moi je récolte. Oh bah zut alors. Allez, ça en fera deux. C'est toujours ça de prix. Je commence à avoir moins de. Moins de plaques carnivores quand même. Puis le feu, caneton. Bien, alors maintenant que ça c'est un peu mieux installé, et ben hop. Là. Tout ce que tu peux miner d'intéressant. Finir d'agrandir mon frigo. Je pourrais peut-être commencer à me faire davantage de murs en pierre. Allez, on va pouvoir faire de la bœuf. Alors, on avait dit qu'on avait quand même besoin d'une vraie source de d'énergie, parce que c'est quand même un peu casse-couille. Alors, je pourrais aller chercher de l'énergie hydroélectrique là-dedans, mais c'est quand même un peu loin. Est-ce que je peux. Est-ce que j'ai du gaz à proximité? J'en ai là, faut du géothermique. L'émoticône Gaelden, bah, je crois qu'il faut que tu l'achètes, Nico, non? Tu parles sur Twitch, hein, j'imagine. Je crois que c'est avec les points. Je dois bientôt voir que j'ai jamais trop fait attention à ça. Tu le vois pas. Ah. Alors, c'est peut-être. Je sais pas. Bon, je vais me faire. Toc, toc, toc. Je vais me faire du géothermique. Ouais, celui-là. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Je vais faire du géothermique, mais c'est long le géothermique. Faut faire des panneaux solaires, tu m'iras. Me faire des panneaux solaires temporairement, ce serait pas mal.
Parce que c'est un peu le drame quand même, gestion de l'énergie. Manque d'un vrai nettoyeur, je trouve. Qui est-ce qui fait pas grand-chose? Toi, t'es très utile, toi, t'es très utile, toi, t'es très utile. Damned, ça sert à rien, c'est clair. Rossi, est-ce que Rossi sert à grand-chose? Il fait de l'art. Que fait-il? Que fait le Rossi en temps normal? Lémibou! Lémibou qui m'attaque. Ah, ça sent. Eh ben voilà, tu vois. Ça sent le raid qui vient d'en haut. Mayday! Et bah tu vois. Alors, Katox, tu vas te planquer. Tu es très bien là où tu es. Alors, où est-ce que vous allez me tomber dessus, les saligots? Bam! Allez, bande de scrognugneux. Canton va te venger. Déchire-leur la tête. Hop, toi tu vas là. Lithium, ici. Hop. What? C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour que... Blessure par balle. Oh putain le con. C'est éternel le boulet? Ou c'est Damned? C'est Damned qui a tiré sur Canton. Oh le parricide! Le parricide, quoi. Je te jure. Boum. Ah, putain de salopio. Oh, putain, comment il s'attaque à un enfant? Bordel. Ah, c'est le drame, putain, le mec avec sa grenade, il va tout me défoncer, bordel. Bordel de merde. Allez, fais chier. Oh là 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 là, le raid de la mort, quoi. Bordel. Putain, Spikey, tu me casses tout là. Tibia gauche estropié, super. Eh mais sérieux là? Oh là 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 là, putain le drame. Ouah. Bordel. Bon. Bon, bon, bon. Ok. Éternel. Tom, ça va. Il y en a qu'un qui est vraiment dans le drame, c'est Spikey. Et ouais. Oh putain. Secourir. Là, secourir au signal. Ouais, le problème, c'est que j'ai plus de place. Tiens, attends, ça, définir comme lit médical. Tac, tac. Ouais, non, va d'abord
Soigner Spikey en urgence. Ouais, bah les bébés en même temps, c'est pas super résistant. Bon. Hop. Ah, mais le raid de la mort, quoi. Le mec avec ses... non, peut-être secourir quand même. Le reste, ça peut attendre. Il n'y a personne qui est dans le mal absolu. Me défoncer mes murs. Caneton, il est quand même bleeding out. Bien, on va... Ah, Canton, il va là, ouais. Allez, on va secourir. J'aimerais que tu me portes ça en priorité. Ouais, là, j'ai eu le raid sévère, quoi. Ouais, et puis non, ce qui est magique, c'est que Damned, donc, qui a grandi maintenant, bébé Damned n'est plus un bébé, bébé Damned est désormais un enfant. Je lui ai donné une carabine, et quasiment le premier tir de sa vie qu'il a fait, ça aurait été pour tirer sur papa. Donc c'est Papa Canton qui s'est pris une magnifique bastos de la part de Damned, de son fils. Et c'est quand même... T'as entendu, d'accord. Katox, tu me fais quoi? Non, oui, t'as raison. T'as raison, c'est bien le moment. C'est bien le moment. Elysium, tu pionces. Bah ouais, c'est le moment aussi. Ah ouais, sauf que t'es pas affecté à la construction. Bah si. Je viens de t'informer que tu es désormais constructeur. Plutôt que de pioncer, parce que j'aime pas trop avoir un trou. Bon. Ça a été un poil chaud quand même. Et donc Spikey, du coup, il y a quand même laissé un tibia. Donc je vais peut-être lui mettre une jambe de bois en attendant. Hein. Et puis il serait bon que ça dégage. Unité. Bah, pourquoi t'es à poil, Damned? Voilà, Damned se balade, la Stuckate à l'air, quoi. On s'en remet. Jambe de bois. Bon, c'était exactement ce que je voulais faire. Voilà, Canton, il s'est pris une bastos, mais... Tout va mieux et il fait crac-crac. Pas de temps à perdre. Un cousin a besoin de soins. Bah, si t'as besoin de soins, pourquoi tu te fous là, connard? Ah merde, du coup, il n'y a plus de bouffe. Catox. Ah oui, en même temps. Hop. Qu'est-ce que tu me fais? Ouais, attends, on va me réparer ça. Mais du coup, je peux plus m'en servir. Ah merde, du coup j'ai plus d'aliments crus. Eh oui, donc il va peut-être falloir que je passe
Au végétal. Je vais pas me lancer dans la. Désolé pour les bruits de travaux derrière. Hop. Et même les places simples, du coup. Ah oui, non, parce que j'avais interdit. Hop. C'est pour ça qu'il crève la dalle. Les places simples, du coup, c'est vrai que j'avais interdit les végétaux. J'ai vraiment besoin de quelqu'un qui me fasse du vrai nettoyage. On avait dit que Éternel. Non, c'est Éternel, c'est Rossignol qui était quand même pas très 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 utile. Je vais te mettre en priorité nettoyeur, quand même. Non, je vais faire comme ça. Histoire que quand même tu nettoies un peu plus. Bon, là pour l'instant. Alors, qui est tombé? Cri de boulimie. Ben, ça tombe bien, j'ai plus de bouffe. Oh, ça me saoule, ça. Attends. Va équiper ça avant. Voilà. Katox, t'as ton arme. T'as pas d'arme, c'est pas grave. Toi, tu te balades toujours au LP? Ouais. Bon, je sais pas pourquoi. J'ai plus de. Parc d'enfants que j'aurais revendu. Bah, il est con. Pourquoi tu portes pas ça? Tu veux te balader à stocker ta l'air. Éternel, excellent tireur. Où est passé ton gun? Où est passé ton gun? Il est là, d'accord. Bon, ok. Éternel, équipé, fusil pompe automatique. Rossi tout cassé. Hop, on équipe ça. Mais tellement, Lucine, mais tellement. Lucium, ça va. Tom, il lui faudrait un peu plus. Ah, mais il était là, son gun. Putain, qu'il croyait qu'il était sous un plat. Bon, mon hôpital, j'avais pas vraiment prévu que ça se passe comme ça. Tac. Spike qui est totalement guéri. Eh ben, dis donc. Pour dire qu'il a perdu le tibia. Tom qui est en train de me vider mes. Je suis pas là. Là là, elle est belle la famille. Hein. Je pourrais peut-être démolir ces murs, tac, qui ne me servent plus à rien. Hop. Éternel guerrier. Bon, Tom, tu pourrais être de me bouffer toutes mes réserves, bordel. Du coup, j'avais pas une chemise pour enfant aussi. Ça y est. Tom a cessé de nous faire un caca nerveux et l'automne commence. Bien. Là, c'est toujours pas nettoyé. Oui, mais ça, j'avais dit que je m'en foutais. Bon, je vais faire une petite pause, toute petite, je reviens tout de suite. On va arrêter cet épisode pour YouTube. Et puis, donc on va dire au revoir à la VOD. Et puis je fais une mini pause et je vous reprends d'ici peu.
Voilà. Au revoir la VOD.